enfants. Il se rasa à mi-année. Il n'était pas. Le soleil. Les belles formes. Les voitures de luxe. Enfin, je suis arrivé. Enfin faire mon business. C'est à Miami. Je reviens de Los Angeles. J'espère que les affaires vont correctement se passer ici. À Miami Dream. Le rêve. Tout est possible. 14h. Je suis en face de la plage de Miami. Il faut que j'attende. Il faut que je fasse mon business ce soir. Avec Stina. Une meuf qui est dans le business depuis un moment qui connaît. Certains. C'est quoi ça? Starter. Starter. Stina. Et Kester. J'espère qu'ils vont mettre au milieu. Au cas où il y aura une embrouille, un problème. Au cas s'il y aurait une galère imprévue, je serai une défense. Faut que j'attende. Faut que j'attende toute la clique là. Il faut que ce soir j'aille au centre de Miami parce que dans 2 jours, retour à Los Angeles, c'est pas pareil au business. J'appelle. Alors que j'appelle cette personne. Bref, il n'y a pas tard d'arriver. Alors, je les vois là, ils sont un petit peu loin d'ici. Ah, il y a Stina, Starter et Kester. Je vous attendais, ça fait un moment que. Ça fait un moment que vous traînez là. On s'était dit 14h. Il est 14h30. Bref, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on fasse notre business correctement. Sans galère, sans prise de tête et. J'espère que vous avez amené vos notes. Alors, j'espère que vous avez amené les armes. Les armes qui sont à vendre. J'espère que les AK-44, 357 Magnum et les semi-automatiques, vous avez emmené avec vous. Parce que j'ai amené des dollars avec moi. Non, c'est toi qui as ça, tu peux ouvrir. Apparemment, il a l'air d'avoir ce que je recherche.
falloir traiter l'affaire immédiatement, pas perdre une seule seconde. D'accord? Il faut qu'on voit ça directement. Ça pas une seule seconde.